En novembre 2019, un célèbre magazine français publie d'incroyables clichés, des captures vidéo d'extraterrestres qui prouveraient pour la première fois leur existence. Là, on navigue en pleine science-fiction parce qu'on est face à un équipage extraterrestre. Et à vrai dire, on n'a pas très envie d'avoir affaire à eux. Que s'est-il passé en 2007 à Kumburgaz, cette tranquille station balnéaire turque, désormais au cœur de l'une des plus mystérieuses affaires d'OVNI? Tous ces témoins parlent d'une sorte de vaisseau en forme de croissant, très lumineux, et qui survole la mer la nuit entre 1h30 et 6h du matin. Cet objet volant intrigue, bien évidemment, parce qu'on est face à quelque chose d'inconnu. On ne connaît pas ce que c'est. Les aéronefs aperçus par des centaines de témoins dans le ciel turc sont-ils vraiment des engins de nature extraterrestre? Non seulement les scientifiques vont nous confirmer que la vidéo de Yeltsin n'est pas truquée, ils vont même aller jusqu'à avouer que ce qu'a pris Yeltsin ce soir-là n'est pas de nature terrestre. 10 ans après, on continue à découvrir des éléments qui avaient échappé à tout le monde. Retour sur les incroyables images de Kumburgaz. Ces vidéos qui révèlent pour la toute première fois au monde à quoi ressemblent les extraterrestres. Nous sommes en 2007 à Kumburgaz, une station balnéaire de Turquie. Les habitants de cet endroit prisé, situé non loin d'Istanbul, vont assister cet été-là à d'étranges phénomènes qui vont bouleverser leur existence. On est le 22 juin 2007 en Turquie. Et cette nuit-là, Yeltsin Yalman, un habitant de Kumburgaz, sort sa toute nouvelle caméra de son sac. À l'époque des faits, Yeltsin Yalman a 51 ans et il est veilleur de nuit à Yenikent, un lotissement du coin. On est au cœur de la nuit, il fait extrêmement noir et on peut se demander ce que cet homme espère filmer dans ces conditions. Mais Yeltsin Yalman a un projet très précis. Il espère en fait filmer les objets très étranges qui apparaissent dans le ciel de la station balnéaire depuis 2 jours. Ces engins volants font évidemment parler d'eux en village, car Yeltsin n'est pas le seul à les avoir vus. Des résidents du lotissement, mais aussi des pêcheurs, tous décrivent la même chose. Ils vont dire que ce qu'ils voient, c'est en forme de demi-lune, comme un croissant. Que c'est assez lumineux. Que c'est assez large. Et ils les ont vus durant la nuit, alors exactement entre 1h30 du matin et 6h. Voilà pourquoi, cette nuit du 22 juin 2007, Yeltsin Yalman se retrouve au cœur de la nuit avec sa caméra flambant neuve pour filmer le ciel de la station balnéaire. Yeltsin ignore totalement ce que sont ces objets, mais il va les filmer une vingtaine de reprises sur 3 étés consécutifs. Durant les étés 2007, 2008, 2009, il y a des centaines de témoins qui vont observer cet étrange balai, ces phénomènes totalement inexpliqués dans le ciel. Et Yeltsin n'imagine pas alors à ce moment-là que ces images en novembre 2019, grâce aux progrès technologiques, vont nous révéler des choses tout à fait extraordinaires. Très vite quand même, il va comprendre, Yeltsin, qu'il a quelque chose qui n'est pas normal. Donc il va se tourner vers un jeune ufologue qui s'appelle Atkan Akdoğan. L'expertise de Atkan Akdoğan est sans appel. Pour lui, ce qu'il y a sur les vidéos, ce sont des engins extraterrestres. Yeltsin Yalman a-t-il filmé un vaisseau d'origine extraterrestre au-dessus de la mer de Marmara? Très vite, les images du veilleur de nuit de Kumburgaz vont faire le tour du monde et devenir la cible de violentes critiques. En 2009, dans les semaines qui suivent la publication de ces vidéos, plein de théories vont venir contrebalancer cette thèse extraterrestre. La première chose qu'on va dire, c'est que bien sûr que les images sont truquées. Mais imaginez juste, le petit veilleur de nuit n'est pas un spécialiste de la vidéo. Imaginez-le voulant truquer
et les images. C'est-à-dire qu'il faut un banc de montage, il faut avoir du matériel. Enfin, ça paraît complètement dingue. Un autre élément vient contredire cette hypothèse, puisque Yalcin Yalman n'est pas le seul témoin à avoir vu ce phénomène. L'ufologue turc Aktan Akdogan ne va pas se contenter du témoignage de Yalcin Yalman, puisqu'il va aller interviewer les habitants du village et il va même filmer leur témoignage. Et tous ces témoins confirment les propos de Yalcin Yalman. Ils ont également vu des choses très étranges dans le ciel. Et là, on a vraiment beaucoup de mal à imaginer un village entier d'affabulateurs. L'autre hypothèse, c'est que Yalcin Yalman, de bonne foi, a filmé l'avant d'un paquebot sur la ligne d'horizon. Sauf que un bateau, c'est gros, et ça a des lumières. Et là, sur la bande, il n'y a aucune lumière. Il y a une autre théorie avancée par un universitaire français. Lui pense que Yalcin Yalman aurait en fait filmé le reflet du pare-soleil de sa caméra. C'est vrai que ça colle plutôt bien, surtout que l'engin a l'air assez statique. Mais il faut revenir à la genèse de l'histoire. Yalcin a acheté le caméscope parce qu'il avait vu à l'œil nu les engins. C'est pour ça qu'il a acheté le caméscope. Tant que ça tient pas. D'autre part, il n'est pas le seul à les avoir vus, puisque des centaines de témoins ont également vu ces objets. Évidemment, comme dans chaque histoire d'OVNI, se pose la question des essais militaires, d'autant que cette région de Turquie est truffée de bases militaires. Des journalistes se seraient procurés un document inédit, l'agenda des sorties de l'armée de l'air turque. Les dates ne semblent pas coller. En Turquie, on commence à s'émouvoir parce que si on n'arrive pas à expliquer la nature de ces objets, c'est qu'il y a une intrusion d'objets inconnus dans l'espace aérien turc. Ça veut dire qu'en fait, ces objets échappent à toute surveillance des militaires. Cet élément nourrit la thèse extraterrestre puisque pour beaucoup d'ufologues, les ovnis échappent souvent au radar. Les images pour le moins étranges filmées par Yalcin Yalman sont-elles la preuve d'une présence extraterrestre dans le ciel de Kumburgaz? Alors que le gouvernement turc va tout faire pour discréditer cette théorie, l'expertise scientifique officielle va donner lieu à un incroyable rebondissement. On est fin 2008. Les vidéos d'Yalcin ont fait le tour du monde et très étrangement, le gouvernement turc, lui, reste très discret sur cette affaire. Est-ce que l'ampleur qu'a pris cette affaire commence à faire peur aux dirigeants du pays? En tout cas, on voit que lorsque le gouvernement décide de sortir de sa réserve, il va tout faire pour essayer de décrédibiliser les auteurs de la vidéo et ils vont le faire devant des millions de téléspectateurs. Le 31 décembre 2008, le gouvernement turc va dépêcher un homme, Adnan Öktem, sur le plateau du journal télévisé. Adnan Öktem est un éminent scientifique. Il dirige le département d'astronomie de l'université d'Istanbul. Et on voit bien, lorsqu'il arrive sur le plateau, qu'il n'est pas vraiment venu là pour débattre. On a vraiment le sentiment que ce scientifique est clairement là pour ridiculiser les dires de l'ufologue. Ce que dit Adnan Öktem, c'est tout simplement qu'en fait, c'est un canular, il n'y a pas d'OVNI à Kumburgaz, circuler, il n'y a rien à voir. Il faut se mettre dans la peau d'Aktan Akdoban. Il se prend une véritable claque en direct. Et là, le jeune ufologue, il dit « pas de problème, moi je vous entends, vous savez quoi, les vidéos, je vais les donner au Tubitak ». Le TÜBİTAK, c'est le Centre National de Recherche Scientifique et Technologique turc. C'est l'équivalent, en fait, de notre CNRS français. À ce moment-là, le professeur est loin d'imaginer que ses collègues du TÜBİTAK vont le désavouer et qu'il va même être obligé de revenir sur ses accusations. Quelques jours plus tard, les experts du TÜBİTAK vont remettre leur rapport et la conclusion va faire l'effet d'une petite bombe. Non seulement on apprend dans ce rapport que la vidéo de Yalcin est une vidéo qui est vraie, qui n'est pas truquée. Mais en dernière partie, ils vont indiquer que l'objet filmé peut et doit être classé dans le phénomène objet volant non identifié. Vous imaginez quand même le scientifique qui était là pour débunker et pour dire que tout ça était une grande guignolerie, il se retrouve désavoué totalement. Une mystérieuse présence extraterrestre
évoluerait-elle dans le ciel de la Turquie ? Alors que, faute d'explication officielle, l'énigme demeure, de nouvelles expertises des vidéos tournées par Yalçın Yalman vont donner lieu en novembre 2019 à d'incroyables révélations, une première dans l'histoire de l'observation des ovnis. 10 ans après les faits, les vidéos de Kumburgaz font toujours débat dans le monde ufologique. On n'a pas vraiment réussi à identifier ce que c'était. Cette histoire va un peu partir dans les oubliettes jusqu'au 16 novembre 2019, où les images vont ressurgir. En France, c'est un célèbre magazine d'information qui va ressortir le dossier. On va apprendre en fait que les spécialistes turcs, grâce à de nouveaux logiciels de dernière génération, ont en fait travaillé sur des agrandissements image par image pour avoir une vision beaucoup plus précise de ces objets inconnus. On sait qu'en 2010, l'Américain Richard Shaw, qui est un spécialiste de l'image, avait essayé de retravailler la vidéo pour prouver que le phénomène était bien de nature extraterrestre. Mais les logiciels de l'époque, en fait, tout simplement ne nous permettaient pas d'aller aussi loin que ceux qu'on a aujourd'hui. Tout ce qu'on pouvait réussir à avoir en zoomant, en fait, c'était des taches, des gros pixels, et ça ne nous apportait aucun détail. Sauf que là, le 16 novembre 2019, les techniques ont évolué. Et là, on est assez surpris de voir ce que l'on voit. Ces spécialistes ont réussi là où Richard Shaw a échoué, et les conclusions sont malgré tout extrêmement étonnantes. Les agrandissements montrent distinctement l'objet qui a été filmé au-dessus de la mer de Marmara, mais surtout, on distingue ses occupants. On voit clairement apparaître 2 pilotes de cet aéronef. Ils sont 2 pilotes. A priori, ils n'ont rien de terrien. On voit des êtres avec des yeux assez grands et surtout des crânes surdimensionnés. Là, on navigue en pleine science-fiction parce qu'on est face à un équipage extraterrestre. Que montrent réellement les nouvelles analyses des images filmées 10 ans auparavant? Peut-on raisonnablement penser avoir enfin la preuve d'une vie extraterrestre? Ces incroyables révélations démontrent déjà une première chose, c'est le caractère unique, exceptionnel et authentique de la vidéo filmée par le gardien de nuit au-dessus de la mer de Marmara. On voit qu'il n'y a pas de trucage, on voit que les vidéos, en tout cas, elles ne sont pas fausses. On découvre en effet, 10 ans après, un luxe de détails qui avait échappé à tous les spécialistes. Ce qui n'était jusqu'à maintenant que de vagues taches pourrait apparaître comme des silhouettes assez nettes et assez précises. Ça bouge. Ils sont tous les deux de face au départ et puis tout d'un coup, il y en a un autre qui se tourne de côté comme pour parler à son pilote ou à son copilote. Un autre détail attire l'attention. On pourrait presque distinguer une espèce de vêtement sur les silhouettes, une espèce d'uniforme, dont sur l'un des personnages, une espèce d'épaulette qui pourrait fortement ressembler à un uniforme militaire. C'est vraiment la caricature récurrente de l'idée qu'on se fait d'un extraterrestre. Ce qui est certain dans le cas de Kumburgaz, c'est que ce dossier continue à alimenter les discussions dans le milieu ufologique, puisque personne n'est en mesure de démontrer qu'il s'agit d'un canular. Il y a une question qui se pose avec tout cela. C'est que si tout ça est vrai, si les vidéos sont vraies, si les images sont vraies, si les photos sont vraies, si les bonhommes à l'intérieur sont vrais, c'est peut-être la première preuve de la vie extraterrestre humanoïde. Depuis 2009, année de la dernière observation de ces étranges aéronefs, aucune autre manifestation aérienne de nature inconnue n'a été rapportée dans le ciel de la mer de Marmara. Les étranges vidéos de Yalçın Yalman, ce modeste gardien de nuit, continuent toujours d'alimenter l'incroyable théorie de la présence, 3 années durant en Turquie, de visiteurs venus d'un autre monde.